Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. Nous sommes mercredi 15 juin 2022, c'est parti pour un petit tour, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à Action de Servon et s'il y a des nouveautés. Le retour de ces cadres photo métal doré, vous allez voir, ils existent en doré, noir ou blanc. Alors le grand est à 5,95. Je vous les mets côte à côte comme ça, vous voyez la différence de taille. Et le petit est à 3,99. Alors les dorés, on a ces photos-là. Après, soit vous gardez, soit vous avez une déco un peu champêtre, etc. Et ça peut aller avec votre déco. Soit vous pouvez changer les photos qu'il y a à l'intérieur. Ils sont aussi en noir. Alors, noir, c'est plus feuillage, verdure. Donc, on a le grand qui est là et le petit qui est comme ça. Après on a le blanc, mais c'est vrai que le blanc c'était un arrivage il y a quelques semaines. Vraiment le retour c'est le doré et le noir. Ah ça y est, je les ai retrouvés, ces photos forts en marbre. Je les avais vus dimanche à Thiers, je ne les ai pas retrouvés ailleurs. Ils sont à 2,99€. Il y a plusieurs couleurs. Alors il y en a un qui est comme ça, avec, on ne voit pas bien, mais les marbrures un peu dorées. On en a un avec les marbrures grisées. Bon vraiment on a plusieurs, hop, après... Moi j'ai envie de dire que quand c'est comme ça, faut pas trop chercher, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais à partir du moment où je vais en choisir un, je vais décider d'en prendre un autre. Après c'est foutu, je reste une demi-heure dans le rayon à savoir est-ce que je prends celui-là ou celui-là, alors que c'est plus ou moins les mêmes. Et bon, je sais pas si vous êtes comme ça, mais bon voilà, je suis comme ça. Après on a les gris, pareil les gris, on en a plusieurs. Je pense que le mieux c'est de prendre le premier qui nous vient sous la main. Hop, on va avoir plusieurs tons, et on en a un qui est beaucoup plus foncé. Alors ces photos fortes, je trouve qu'ils vont très bien avec ces plateaux en marbre rectangle qui sont à 4,95€. Alors là je vois qu'il n'y a que du gris, mais ils existent aussi en blanc normalement. Alors pareil, vous voyez, les dessins vont être différents, donc je pense que le mieux c'est de prendre le premier qui nous vient sous la main. On peut faire cette composition si on en a envie. Alors moi je pense que c'est mieux de mettre du gris sur le gris, mais après on peut casser avec du blanc. Moi je suis moins fan, mais pourquoi pas. On a le retour de ces pierres déco en vert à 99 centimes, donc on a du vert, du noir. On a 7 couleurs, donc pensez à vos décos de table, on les a transparentes. Alors c'est vrai que dans les autres surfaces, des fois j'ai vu 2-3 fois le prix. Donc là elles sont à 99 centimes, je trouve que c'est un prix intéressant. Petite déco aussi avec ces roses, les 3 roses pour 99 centimes, on a blanc, il reste blanc et rose. Vous voyez, ça peut être sympa aussi de prendre une petite rose et de la déposer à côté de votre petite déco. En marbre, hop, on peut poser une petite rose là, ou tiens, on peut reposer une autre bougie sans photo fort. Les verres à eau, il y en a 6 pour 1,99€. Les gobelets, coloris avec les pailles. On a ceux-là, donc 1,82€, mais ceux-là, je ne me souviens plus du prix, tiens. Ils ont mis aussi ces pots à provision avec couvercle, qui sont à 95 centimes. Donc on a 3 couleurs au niveau des couvercles, on a le gris, on a le doré et le noir. Après on a plusieurs motifs au niveau des reliefs, on a ceux-là, les rayures. Alors je crois que c'est ceux-là qui partent le moins bien. Il y en a 3, il y a 3 modèles, il y a celui-là. Mais alors je ne vois pas le troisième. Il y en a un troisième en tout cas. Ah si, il est là, c'est les petits carrés là. Le retour des sous-verres en marbre. Enfin, on en avait eu l'année dernière, mais c'était pas aussi costaud. 3,99€. Alors là, on a le noir avec les nervures grises. Et on a le blanc avec les petites nervures. Vous savez à quoi je suis en train de penser? Je suis en train de penser au photophore que je viens de vous montrer. Ça peut être pas mal aussi de s'en servir pour mettre le photophore dessus. Ça peut être très sympa, tiens. Donc là, c'est 3,99€. Ils font 10 par 10 et on a 4. On a ceux en bambou, mais ceux-là ils sont là depuis un petit moment. 1,59€, il y en a 4. Mais là ceux en marbre, là, franchement, j'aime beaucoup. Et sortir du contexte sous verre. Carnet de notes spirale. 1,99€. On a ceux-là. On a avec les feuilles. On a les petits pailletés. Tiens, ils ont du papier alu pour barbecue. 1,68€. En fait, le papier alu spécial barbecue, normalement, il est plus épais que le papier alu ordinaire. Et du coup, il est plus large pour pouvoir couvrir plus de surface. Celui-là, il fait 8 mètres.
par 44 cm de diamètre. Et à côté du papier alu standard, il est plus grand. Celui-là, il est à 1,29€. Ils ont mis aussi les portes papier toilette tout simple, 99 centimes, on dirait des portes sopalins géants. Voilà, juste pour enfiler vos rouleaux. Donc il y a noir et métal. Le spray pour pneus Valmas, 3,49€. Donc c'est un spray qui va vous servir en cas de crevaison. Donc bombe anti-crevaison, moi ça m'a sauvé déjà la mise. Donc ça va vous permettre de regonfler votre pneu. Alors évidemment, dedans ça va être une mousse. Donc on va pas rouler, ça sera vraiment pour dépanner, pour pouvoir aller au garage le plus proche ou trouver un autre moyen de changer le pneu. Après, la question que je me pose, c'est je ne sais pas si on peut réparer le pneu, parce que quand on a une crevaison, maintenant, enfin, on peut mettre, on peut colmater, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le pneu. Tiens, on peut colmater le pneu avec, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous allez chez votre garagiste, ça coûte pas très cher, beaucoup moins cher qu'un pneu. Après, ça dépend de la taille de la crevaison. Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir rouler un petit moment en attendant d'aller au garage ou autre. C'est bien d'en avoir une dans son coffre. 3,49€. Je crois que ça s'appelle une mèche pour les pneus. On les a vus hier, mais je vous les représente parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Vous avez un vélo et que vous allez pique-niquer de temps en temps, c'est un sac isotherme. Donc 7 litres, 6,99€. Donc il y a gris. Il me semble qu'il y avait noir, mais là je vois que du gris. Vous déménagez, vous avez besoin de protéger votre coffre ou vos objets, ils ont des couvertures de déménagement, comment ils appellent ça, le tissu déménagement stock, 2 mètres par 1,50 m à 3,49€. Il y a les sacs à déchets, ils mettent vert, mais 120 litres, alors est-ce que c'est le bon produit? Oui, donc sac à gravats ou à déchets verts, 2,49€. Vous avez aussi ce rouleau de sac à gravats, il y a 5 pièces pour 1,95€. Peinture Schalke 4,88€. On a Bordeaux. On a Stone. On a ça. Alors par contre, il est écrit Till Laker. Ah, c'est sympa ça, blanc. Alors ça doit être pour le carrelage. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est génial de trouver ça, de pouvoir trouver ça à Action. Alors, ça coûte 7,49€ et c'est blanc satiné. Donc, pour repeindre votre carrelage en blanc. Alors, je ne sais pas si on peut ajouter ou pas une petite touche de couleur. Mais voyez, si votre carrelage, il fait un peu la tête ou il est un peu plus foncé ou il est d'une autre couleur, vous avez envie de repeindre en blanc, de lui donner juste un petit coup de neuf. Donc il y a maintenant ici à Action, cette peinture, c'est 7,49€. Après, depuis pas très longtemps aussi, on a ces peintures murales avec des couleurs très tendances comme le bleu pétrole, le vert olive, le gris light et le black. Donc c'est 9,99€, il y a 2,5 litres. J'ai pas encore vu de retour sur ces peintures-là, mais je trouve que c'est sympa de pouvoir, voilà, comme la peinture pour le carrelage, d'avoir un peu des produits comme ça un peu tendance, parce qu'avant on les trouvait simplement dans les grands magasins de bricolage. Bon, parfois au niveau des budgets c'est pas trop ça, donc je trouve que c'est sympa maintenant qu'on puisse trouver ça chez Action. Guirlande lumineuse 10 LED 4,99€. Alors c'était ce week-end, j'ai testé un coupe-haie sans fil. Si vous voulez aller voir d'ailleurs la vidéo, je l'ai mis sur mon Instagram, je rappelle mon Insta, mes secrets de nana. De toute façon, si vous voulez me trouver, que ce soit sur Facebook, TikTok, Snapchat, c'est toujours mes secrets de nana. Et donc j'ai testé coupe-haie, j'ai mis le petit réel dans la vidéo. J'ai pas fait attention, j'étais tellement contente de pouvoir tout couper aussi facilement que j'ai pas vu qu'il y avait ma guirlande et je l'ai coupée en deux. Voilà, donc je pense que je vais en reprendre une. J'aime beaucoup, je mets ça moi dans les petites haies. Ça apporte un peu de couleur et de la lumière. C'est 4,99€, il y a 10 lampions et c'est solaire. Moi j'ai mélangé, j'en ai pris deux, j'ai mélangé les deux teintes, mais c'est celle-ci que j'ai coupée. Le retour des paillassons d'entrée comme ça.
4,49. Vraiment, moi je recommande c'est les paillassons à l'extérieur, les paillassons coco comme ça. Parce que c'est vrai que des fois on trouve des jolis tapis avec plein de dessins et tout. Mais ce genre de tapis, vraiment pour moi, c'est à l'intérieur. Soit à l'entrée, à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est mieux ça. Ça permet de bien nettoyer tout ce qui est en dessous des chaussures, boue ou autre cochonnerie. Alors d'habitude, on en a aussi un comme ça plus grand, mais là je le vois pas. Donc 4,49, il fait 39 par 59. On va voir un petit peu tout ce qui est clim parce que je pense que là, avec le week-end qui approche, beaucoup de personnes vont être intéressées avec les fortes chaleurs qu'ils nous ont annoncées. On a ce ventilateur-là. Faut que je voie le. Alors celui-là est à 17,95, il est sur pied. Après, on a la tour qui est à 22,95 €. Après, on a les rafraîchisseurs d'air. Alors, les rafraîchisseurs d'air. Il y a un bac et à l'intérieur on va mettre comment il y a des comment dire, est-ce que c'est en photo ou pas, des petits éléments qu'on aura mis au préalable au congélateur, ou bien on va bien mettre de l'eau bien fraîche et ça va rafraîchir l'air. Donc 49,95 €. On a la clim, donc la clim elle va pas avoir la même façon de fonctionner. Alors par contre, pour la clim, il faut que vous ayez un moyen de sortir le tuyau qui va évacuer l'air. 199 €. Alors moi j'ai remarqué dans toutes les enseignes, en général le prix c'est aux alentours des 199 €, sauf s'il y a une promo, vous tombez sur une promo. Donc celle-ci, je vois, elle fait 1000 watts. Après, à garder aussi au niveau de la taille de votre pièce. Tiens, les petites doses de shampoing, en général pour le voyage, 59 centimes. Alors il y a des magasins, des enseignes qui ont des rayons que de ça, des petites... C'est pas des mignonnettes, hein, mais ouais, on va dire des mignonnettes, des formats voyage. Donc il doit y avoir, je pense, qu'avec ça, on peut faire deux shampoings. 59 centimes. Mais, pour les voyages, on pense aussi à ça. Ce rayon valise, ça coûte 99 centimes. Comme ça, on emmène son shampoing, la marque de son shampoing. Après, ce que je vous ai montré, ça peut être aussi sympa si on a envie de tester une marque particulière. Mais voilà, ce qui est plus économique, pour moi, c'est ça. C'est de mettre déjà le shampoing qu'on a, l'après-shampoing qu'on a, sa crème pour le visage, etc. Et ça coûte 99 centimes. Et il y a plusieurs couleurs. Ah ben voilà, ils sont enfin là. La dernière fois, je vous disais, c'est bizarre, cette année, ils nous ont pas fait de plateau spécial un peu été, qui vont un petit peu aussi avec la vaisselle d'été. Eh ben, ils sont là, 3,69. 33 cm de diamètre, en plastique, hein, donc gamme tropicale. On a celui-là. Celui-là qui est sympa aussi, avec le bord légèrement doré. Et celui-là. Enfin, ça dépend de la vaisselle que vous avez déjà. Moi, j'aime bien les deux auparavant. Je trouve qu'ils ont un peu plus de couleurs. Nouveau masque de la gamme 7e Heaven. 79 centimes. Alors, on a celui-là pour raffermir les pores. Celui-là, détoxifiant au charbon. Celui-là, à la cannelle. Alors, c'est la première fois que je vois un masque à la cannelle. 79 centimes. On a ça aussi comme nouveau masque, masque visage en feuille. 79 centimes. À l'extrait de papaye. Tropique, fruit du dragon. Et on a pamplemousse. Allez, aujourd'hui, on finit pas par du sucré, on va finir par des sacs cadeaux. 25 centimes. Ça, c'est sympa pour offrir des petits cadeaux. Des fois, c'est mieux que l'emballage. Alors, il y en a sur toutes les thématiques. Hein. On a ceux-là aussi qui sont sympas. J'aime beaucoup. 59 centimes, ils sont transparents. Ceux-là. Moi, j'essaie toujours d'avoir un ou deux petits sacs, enfin, de tailles différentes de côté, parce que des fois, on va avoir un cadeau à faire et on oublie le papier cadeau, ou bien tout simplement, on n'a pas envie d'emballer. Et ça, c'est sympa. Et puis, en plus, vous avez vu, elles sont vraiment très jolies. 59 centimes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu trouver des choses intéressantes. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à plus tard.